Recoucou mes petits boubous d'amour, donc je vais faire la sonothérapie et faire une petite guidance sentimentale. Et voilà, nous allons commencer. Allez, donc on mélange et on va faire une petite guidance sentimentale. De quoi ça va parler? Allez. Donc, pour certains, ils vont. Il y en a qui essayent d'avoir de l'abondance et qui veulent, pour moi, qui prennent conscience que pour avoir pour de l'élévation de la richesse, eh ben, il faut travailler sur soi-même. Suite à des mauvais choix, des mauvaises erreurs par rapport à un foyer. Mais vous avez quand même une protection, vous voulez construire une maison, donc vous avez besoin de prospérer. Couper avec certaines personnes, ou un divorce, donc c'est peut-être pour faire une renaissance, pardon. Vous devez en guérir, donc c'est vraiment guérir. Et oui, vous êtes dans l'impasse en ce moment, vous avez un mauvais sommeil, vous vous retrouvez dans l'enfermement suite à un divorce. Donc je pense que vous vous battez point de vue divorce. Vous essayez de travailler avec pureté, curiosité et mettre des choses en place puisque ben, vous allez devoir déménager. Voilà. Suite aussi à tout ça, vous devez travailler. D'autant plus parce que vous êtes dans la peur, dans l'insécurité. Mais bon, c'est le destin qui veut ça. Dans tous les cas, vous allez avoir satisfaction sur vos souhaits et une régénération de votre amour, donc de vos sentiments. Donc, est-ce que finalement le divorce va avoir lieu ou pas? Eh bien, on va voir. Voilà. Vous allez retrouver, de toute façon, vous allez retrouver l'amour avec qui je ne sais pas encore, mais ça va vous permettre de retrouver l'équilibre avec la famille, l'enracinement, suite à des doutes et de la confusion, mais vous êtes protégé. Vous allez accomplir. Ah! Donc, en vérité, vous faites un travail sur des ennemis, de la souffrance. Ben voilà, il y a eu beaucoup de choses cachées et vous repartez sur un nouveau départ. Allez, on recommence. Vous allez vous transformer, faire une union. Suite à des disputes, votre ego aussi qui a dû être touché. Bien sûr, c'est l'homme. L'homme va rentrer, donc le masculin va rentrer dans l'action. Avec, il va étudier tous les moyens pour être avec sa féminine. Il va le faire avec douceur dans le temps. Ben bien sûr, avec si vous êtes en plein divorce, en séparation, voilà. Il va le faire avec bienveillance, sagesse. Très bien. On va faire preuve d'imagination. De toute façon, c'est vraiment protégé. Hein, pour avoir la paix, la tranquillité. Et retrouver son autre. De toute façon, il a beaucoup. Mais pour lui, c'est sa moitié. Voilà. C'est le jus. Ben oui. Il y a vraiment le retour de sa féminine. Grâce à la communication et l'échange. Et suite à un lâcher-prise. Voilà. Par rapport à des personnes, je dis bien les sorcières, qui ont essayé de détruire votre couple, vous devez maintenant, parce qu'elles ont essayé de comploter derrière vous, de vous trahir pour séparer votre couple,
ce qui a touché votre santé, bien sûr, votre bien-être, sûrement de votre autre, ben oui. Elle se retrouve dans le sacrifice, bien sûr. Et il y a eu beaucoup de mensonges suite à ça. Mais vous allez retrouver la lumière, waouh, super. Et tout va s'arranger. Le carrosse avec votre belle. Tout va s'arranger, mes petits boubous d'amour. Ah, je suis super contente. Allez, les petits messages. Donc, vous avez fait... Ah, pas de divorce. Youpi. J'ai eu peur. Allez, petit message. Vous allez avoir de la chance, hein. Même si c'est à travailler. Réflexion et doute. Cette carte annonce que vous serez pris ou prise de doute et d'incertitude. Et le risque et l'esprit d'aventure peuvent avoir raison de vous. Alors attention, n'essayez pas d'aller croquer des pommes, sachant qu'il faut réfléchir. Réussite, réussite à une condition. Tenez bon cette carte, vous promet la réussite, mais seulement grâce à la lutte. Donc, luttez, ne croquez pas une autre pomme. Luttez pour récupérer votre autre. Vous mettez ça aussi à votre sauce. Je dis le masculin pour la féminine parce que je suis une féminine, pas une masculine, pardon, excusez-moi. J'ai mes hommes, je sais pas si bien. Vous mettez par rapport à ce que vous êtes. Parce qu'il y a des hommes qui regardent aussi les tirages. Et bien sûr, il y a des billes, excusez-moi. Mais maintenant, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Qui regarde, donc vous adaptez. Voilà. Donc, il faut se battre pour votre autre. Masculin ou masculine. C'est tout ce que ça veut me dire, je crois. Ah. Rupture, voilà. Situation de séparation, de rupture. Donc, voilà. Et ça a parlé de signature pour un divorce. Vous allez devoir faire preuve de courage car votre couple est sérieusement compromis. Donc avant qu'il y ait vraiment le divorce, luttez. Luttez, luttez. Et oui, et il y en a pour certains, il va falloir le déplacement. Quelqu'un se déplace pour venir vous voir ou des kilomètres seront parcourus. Et vous allez faire un serment d'amour. Ce couple est un modèle et a toutes les chances de durer. Cette carte signifie aussi une vie maritale, soit en union libre ou un pacte, soit un mariage. Donc vous avez, pour moi, vous n'avez pas divorcé, puisque de toute façon, toutes les cartes sont sorties pour dire que vous n'allez pas divorcer. Mais là, vous allez refaire, entre guillemets, ce qu'on appelle vos vœux d'amour. Voilà, voilà. Donc, petite carte conseil. Oups. Je souris chaque fois que je reçois un message de sa part. Oh, c'est qu'il vous aime vraiment, hein. Il ou elle, hein. Donc même si vous êtes en dispute, en rupture, vous savez que l'autre, quand vous lui envoyez un message, sourit quand même. Ça prouve que vous l'aimez. Bon petit conseil, hein. C'est comme ça qu'on lutte, hein, pour récupérer l'autre. Allez. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Ben ouais. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça, c'est pour ceux qui sont en train de désespérer en ce moment et qui risquent de faire des mauvais choix. Mais luttez. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Voilà, voilà. Sais-tu à quel point tu es incroyable? Donc, un petit boubou d'amour pour votre autre. Vous êtes vraiment l'amour de sa vie. Voilà. Ben sur ce, c'était la petite guidance amoureuse du jour que je vous ai fait avec amour et avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt mes boubous d'amour. Bisous, bisous.